Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Super Coach en maths. Je propose des cours de maths sur Troyes, la ville, agglomération et à distance. Voilà. Donc là, j'ai décidé de faire une vidéo de sensibilisation. Donc là, on a une étiquette de Kinder. Donc voilà, là pour 100 grammes, on a 53,3 grammes de sucre. D'accord ? Et donc pour vous rassurer, ils disent que par pièce, on a 6,7 grammes. Donc en nous, on va se dire, bon voilà, 6,7 grammes, c'est pas grand-chose par rapport à tout notre poids de corps. Mais détrompez-vous. Parce qu'en général, on ne prend pas juste une pièce. On finit la boîte. Et dans 12 pièces, on a 150 grammes de Kinder. Et oui, donc comme un enfant, si vous allez lui dire d'aller jouer dans la boue, il ne va pas juste sauter et partir. Il va finir comme ça. Donc c'est un peu nous la même chose devant une boîte de Kinder. J'espère que ça vous a fait rigoler. Hein. Donc là, en général, si on cherche le poids d'un morceau de sucre, il se situe soit un petit morceau, soit un gros morceau. Donc le petit pèse 4 grammes et le gros 6 grammes. Donc en fait, on peut dire qu'en moyenne, un morceau de sucre pèse 5 grammes pour faciliter les calculs. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, la boîte c'est 150 grammes. Donc devant un film, vous vous doutez que les 150 grammes, elles passent facilement. Sans parler de tout ce qui va avec, les chips, les boissons et tout ça. Donc là c'est juste la boîte de Kinder, 150 grammes. Donc le calcul est simple. Hein. On va faire 150 divisé par 5 et on trouve 30. Ça veut dire quoi là, les 30? C'est-à-dire que dans une boîte, on a 30 morceaux de sucre. Et oui, vous ne rêvez pas. Eh oui, les gens qui disent juste un morceau de sucre dans son café, oui, ben voilà, dans les Kinder, t'en as déjà pris 30. Hein. Donc, pour votre santé, prenez des cours de maths avec moi. J'espère que ça vous a fait rigoler. Donc là, je vais continuer avec les boissons gazeuses. Donc là, dans 100 ml, on a 10,6 g de sucre. Donc 100 ml, bon, ça parle pas beaucoup. Parce qu'en général, les canettes, il y a 33 centilitres. Donc là, on va convertir les millilitres en centilitres. Tableau de conversion, on met le 1 ici, 0, 0. Donc 100 millilitres, on retire un 0, on trouve 10 centilitres. Tableau de conversion niveau 6e. Donc en centilitres, le volume en centilitres en bas, la masse de sucre en grammes. Là, on va mettre 10, parce que 10 centilitres correspondent à 10,6 grammes de sucre. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la canette de 33 centilitres. Donc on va dire juste 33. On ne va même pas regarder la bouteille de 10 litres, de 2 litres. Donc 33 centilitres, soit on fait le produit en croix, ou bien on multiplie niveau 6e par le facteur 10,6 divisé par 10. Et on trouve 34,98, qui correspond à peu près à 35 grammes. Donc voilà, donc l'étiquette dit la vérité. 35 grammes pour 33 centilitres. Et ce qui me fait rire, c'est les 39%. Et oui. J'entends. Donc là, 39%, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, quand on prend une canette, ça couvre 39% de nos apports en sucre nécessaires par jour. Comme si on avait des besoins journaliers en sucre. En glucides, je veux bien. Par exemple, les féculents comme le riz. Mais le sucre, non, on n'en a vraiment pas besoin. On a suffisamment de réserves dans nos muscles et dans nos foies et la graisse stockée pour ne pas avoir besoin de sucre. Donc voilà, donc là ça me fait rire. En fait, dans une canette, comme si c'était super génial, en fait avec une canette, on a 39% de nos apports journaliers en sucre. Voilà, donc j'espère que ça vous a fait rire et que ça va vous faire réfléchir. Donc là, on a 35 grammes de sucre par canette. Donc si vous avez compris tout à l'heure, hein, le calcul, on fait 35 divisé par 5 égale 7. Et oui, 7 morceaux de sucre dans une canette. Et oui. Donc imaginez la boîte de Kinder, on avait trouvé 30 morceaux de sucre. Et là dans une canette de coca, hein, c'est juste une canette. Hein. Donc c'est pareil, hein, pour les jus de fruits, vous ferez les calculs, vous divisez par 5, vous trouverez à peu près la même chose. Donc c'est du vent. Hein. Le jus de fruits, jus d'orange et tout ça, c'est n'importe quoi. Voilà, donc c'est pareil. Donc prenez pour votre santé, prenez des cours de maths avec moi. Voilà, donc si vous voulez prendre des cours avec moi, mon numéro est toujours le même. 06 23 12 26 01. Donc si vous avez besoin de cours, pour vous, vos enfants, vos cousins, vos neveux, un voisin, n'hésitez pas à m'appeler. Et comme d'habitude, hein, aimez, abonnez-vous. Partagez et à bientôt pour une nouvelle vidéo.